It's a magical affair. We are carried in the air in our dreams. Les coccinelles, c'est pas seulement joli et porte-bonheur, c'est aussi le meilleur anti-puceron naturel. Alors au lieu de traiter votre jardin cette semaine dans Comme à la maison, on va apprendre à fabriquer des nichoirs pour attirer toutes ces petites bêtes. Bonjour Laura. Bonjour. Donc comme tu vois, je t'ai préparé le matériel pour donc fabriquer un gîte à coccinelles. Donc en fait, on a besoin de deux grandes planches comme ça en longueur et des petites planches carrées qu'on va disposer comme ça en fait le long. Donc ensuite, marteau, pointe, mm-hmm. et puis un crayon. Et une règle. Et une règle, voilà, okay. Tout simplement. L'importance en fait, c'est que les planches soient espacées de 5 mm en fait, pour que les coccinelles viennent se cacher à l'intérieur en fait. D'accord, donc il faut toujours qu'il y ait 5 mm entre voilà. chaque planche. Une colonie de coccinelles, c'est à peu près combien de bêtes ? Ouais, ça passe une centaine d'individus à peu près. Attention les doigts. En fait, qu'est-ce qui va plaire aux coccinelles dans ce système ? Donc c'est le fait qu'en fait ça soit du bois et qu'elle soit en fait à l'abri dans une petite espace en fait. Donc normalement dans la nature elle le ferait sous une écorce d'arbre, on la fend dans un rocher, dans un mur, etc. Celle-ci, elle est bien droite. Hein. Elle est bien, celle-ci. Oui, contrairement aux autres, elle est mieux. Ah ouais, les autres, elles étaient pas bien. C'est un petit peu tordu. Hein. Est-ce qu'il y a une saison meilleure qu'une autre pour installer son petit gîte à coccinelle ? Ben en fait, elles vont venir passer l'hiver ici, elles vont hiberner. Donc on peut l'installer maintenant, elles vont pouvoir repérer les lieux, etc. Et bon, l'objectif, c'est de laisser 2-3 ans dans le jardin. En fait, l'intérêt d'avoir des coccinelles dans son jardin, c'est le fait que ça mange les pucerons. Voilà, en fait, la coccinelle, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire du jardinier, c'est-à-dire qu'elle va venir aider le jardinier. En fait, elle va manger, une coccinelle adulte va manger en moyenne une centaine de pucerons par jour, donc ce qui va permettre de réguler la population, puisqu'en fait, les pucerons peuvent apporter des maladies, déformer la plante, etc. Donc notamment pour, par exemple, la carotte, la tomate, le chou, mais également les arbres fruitiers, etc. Ma maison est de travers. Normal, c'est moi qui l'ai cloué. Heureusement que c'est pas difficile une coccinelle. Donc maintenant qu'on a mis toutes les planches en fait, on va le retourner et on va ouvrir. Voilà, on va mettre une dernière planche en fait. Bon, il a l'air pas mal là notre petit gîte. On va l'installer ? On va l'installer. Donc il faut le mettre où, notre petit nichoir, une fois qu'on est dans notre potager ? Alors l'idéal, ça va être de le mettre à l'abri de la pluie, orienté vers le sud-sud-est, et puis dans un endroit quand même ensoleillé, à l'abri du vent. Donc ça peut être sur un petit muret, toujours en hauteur, pas sur le sol, parce qu'en fait, comme c'est du bois, ça pourrait pourrir. Donc là, il n'y a pas forcément d'endroit idéal. Donc on peut le mettre dans le buisson. On peut imaginer voilà, de le mettre simplement dans le buisson. Donc là, d'ici combien de temps on va pouvoir voir les premières coccinelles ? Alors là, elles vont commencer à pouvoir visiter le gîte, se promener à l'intérieur, mais c'est surtout l'hiver prochain qu'elles vont venir en fait en groupe nicher à l'intérieur en fait. Il y a d'autres petites bestioles comme ça qu'on peut espérer attirer avec des nichoirs ? Voilà, il y a également dans le même principe que la coccinelle, le perce-oreille qui va en fait venir manger les pucerons dans le jardin. Il y a également par exemple l'abeille solitaire, les papillons. Donc, ils ont tous un nichoir spécial. Voilà, on peut pour chaque insecte, chaque petite bête du jardin, fabriquer quelque chose. Donc, ben, je vais te montrer en fait. Ah, donc ça, c'est un nichoir à quoi ? Donc ça, c'est pour les pinces-oreilles, en fait. Donc c'est simplement... C'est pas beau, ça, le pinces-oreilles. Hein. Non, c'est pas très beau. Simplement un pot en terre qu'on retourne, mm-hmm. en fait, qu'on remplit de paille. Et il va venir se loger à l'intérieur. Et même chose, il ira manger les pucerons dans le jardin. D'accord, donc c'est pas beau, mais c'est quand même pratique. Voilà. C'est pas très joli comme insecte, mais c'est quand même sympathique pour les pucerons. Là, je vais t'en montrer un autre. Ouais. Un nichoir à quoi, cette fois ? Donc là, c'est l'abeille solitaire, en fait. Donc là, c'est pas le même principe. En fait, l'abeille, elle va venir... elle va permettre de polliniser
les fleurs, c'est-à-dire que la fleur se transforme en fruit dans le potager. Simplement une planche de bois avec des trous de différentes tailles, de différents diamètres qu'on va faire avec une perceuse. Elle va pondre à l'intérieur, ensuite elle va boucher les trous. Les œufs vont passer l'hiver au chaud en fait. Les œufs vont donner des petits, vont donc sortir et polliniser les fleurs du jardin. D'accord, ça va permettre aux fruits, à la fleur de, à la se, transformer fleur de en... se transformer en fruits. Voilà, donc ça c'est des insectes utiles aussi pour qu'on puisse avoir des fruits dans le jardin. Finalement, il y a un tas d'insectes qui sont ultra nécessaires dans un jardin pour que tout se régule naturellement. Voilà, tout à fait. C'est le seul nichoir à abeilles qu'il existe ? Non, il existe un autre en fait, c'est un petit fagot avec de bambou, des choses comme ça, donc je vais te le montrer si tu veux, on va le fabriquer. Ouais. Donc là, on va construire en fait, donc pareil, un gîte pour les abeilles. En fait, on va faire un petit fagot avec des morceaux de bambou et de cardère, en fait. De cardère, c'est quoi ? Ah, la cardère, en fait, c'est cette plante-là qui fait des grandes tiges qui sont creuses. D'accord. Et donc la fleur, en fait, ressemble à ça. En fait, elles vont venir, même chose, pour les œufs à l'intérieur et boucher le trou. Quand tu assembles, en fait, il faut que tous les trous soient du même côté, parce que, en fait, t'as des nœuds. Oui. Donc il y a des endroits là où c'est bouché. Donc mettre tous les trous du même côté. Et on les accroche tous ensemble. Et voilà, après avec une ficelle, on fait un petit fagot qu'on ira en fait qu'on peut accrocher dans un arbre. C'est juste réutiliser des choses qu'il y a déjà dans la nature. Voilà. Et donc après voilà, juste on l'accroche dans un arbre en fait. D'accord. Et elles vont venir de ce côté-là. Bon, on va aller l'accrocher alors. Ok. Voilà, tout simplement en fait avec le nœud, par exemple, tu passes ici, voilà. Donc là, on a du bambou et de la cardère. Notre petit nichoir à coccinelle, on peut utiliser tout le bois qu'on veut. Oui, voilà, n'importe quel bois. Un bois pas trop dur pour que ce soit quand même facile à pointer, en fait. Mais après, il n'y a pas d'importance pour le bois. Finalement, toutes ces petites bêtes, elles sont indispensables pour essayer d'avoir un joli jardin, des beaux fruits et des beaux légumes. Voilà, en fait, l'objectif de tous ces gîtes, c'est d'accueillir en fait les petits insectes, de reproduire leur habitat pour les accueillir et puis donc de favoriser la diversité dans le potager. Et en même temps, ça permet aux jardiniers donc d'avoir des beaux fruits, des beaux légumes, comme tu dis, dans son potager. Et voilà. Des jolies coccinelles. Et des jolies coccinelles. Merci beaucoup, Laura, de m'avoir appris tout ça. De rien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bidi boo, bidi 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 boo, bop.